Voilà, peuple congolais, là nous sommes devant l'ambassade de la plus grande mafia. De la plus grande mafia qui fait honte dans le territoire de la République française. Je me pose la question, pourquoi les autorités françaises ont toléré que cette ambassade de la Turquie soit ici en France? Mais ils doivent dégager, parce qu'eux-mêmes, les Sassou Nguesso, ce sont des criminels. Alors, peuple français, là, vous devez comprendre une chose, que en France, au nom de le corrompu qui nous a tellement fait honte, Emmanuel Valls, l'Espagnol de merde, qui n'a même pas un parent français, ce clown ose faire sa mafia avec sa femme, sa petite comédienne qui fait sa musique comme Carla Bruni, envoyée au Congo-Brazzaville pour prendre des enveloppes kaki et sortir de Mpila chez Sassou. Toujours leur histoire de la France-Afrique de merde. Alors, peuple français et peuple congolais, il est temps que nous finissions avec la mafia de la France-Afrique de merde. Parce que cette mafia de la France-Afrique de merde tue trop en Afrique et continuera à toujours commettre des génocides en Afrique. Il est temps que nous finissions avec cette comédie des mafieuses de la France-Afrique de merde. Alors, monsieur Erdogan, 666, rentrez chez vous en Turquie. Vous n'êtes pas le bienvenu ici en France. Quand on va ça, on doit décapiter ce timbre d'ambassade de merde. Rentrez chez vous. La France, on n'a pas besoin de vous. Vous devez repartir dans votre pays de merde, qui est la Turquie. Rentrez vite chez vous. Les criminels assassins, remplis de sang congolais, avec votre Sassou Nguesso de merde, le petit préfet de la France-Afrique de merde, avec Hollande le clown, Hollande le grand pillard en Afrique, Hollande le génocidaire assassin, criminel, rempli de sang africain, Hollande le PD du mariage pour tous. Son seul bon boulot qu'il a fait en France, le mariage pour tous, hommes et hommes, et femmes et femmes. Mais à part ça, Hollande n'a rien fait pour les citoyens français. Le chômage, 6 millions de chômeurs. Après, Erdogan, aujourd'hui c'est Erdogan. Aujourd'hui c'est Erdogan. Ouais. Alors Erdogan, rentrez chez vous en Turquie. Si vous voulez que ça souffle, soit votre président en Turquie, prenez-le. Mais nous, les peuples congolais, nous allons finir avec ce moustique génocidaire. Nous allons finir avec ce virus d'Ebola. Sassou Nguesso, rempli de sang, assassin. Nous n'en voulons pas au Congo. C'est un assassin. Pendant ce temps qu'il tue, ensuite, toute la communauté internationale, soi-disant les plus grands mafieux, ont un calme terrible vis-à-vis du Congo. Mais le jour, quand le Congo-Brazzaville sera libéré, peuple français, la police française qui travaille pour les mafieux, dites à vos mafieux, ils n'auront rien au Congo-Brazzaville. Le message est clair. Angeta. Et c'est un français comme vous qui parle. Angeta. Voilà, ma mère est ici. Hein? Et je remercie mon père qui a pris une femme blanche. Elle est ici, ma mère. Mon grand-père, c'est un blanc comme vous. Mais un français d'origine. C'est pas un espagnol de mer, comme Manuel Paz, qui n'a aucun parent français. Et qui veut venir nous donner des leçons de morale qu'il aille le faire là-bas en Espagne. Pas ici en France. Ingeta. Ingeta.